Jean-Pierre Bazoué, bonjour. Je suis activement membre de l'Académie des technologies et ma vie s'est répartie entre deux domaines qui me passionnent l'un et l'autre, le domaine de la santé et le domaine de l'écologie politique. Et ceci provient du fait que j'ai deux formations, une formation d'agro, d'ingénieur des eaux et forêts, aujourd'hui on appelle ça les ponts et les forêts, que j'ai été conseiller agricole de Pierre Morvoy, son premier conseiller, mais que j'ai surtout passé ma vie à m'occuper de santé et d'hôpitaux, puisque j'ai été le directeur des hôpitaux et que j'ai créé la chaire d'économie de politique de santé au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment l'école de santé publique. Alors, il se trouve que il y a une vingtaine d'années, une de mes amies me demandait si je voulais écrire quelque chose sur l'intolérance dans le domaine de la santé. Je dis non, mais je veux bien écrire quelque chose sur l'intolérance dans le domaine de l'écologie, parce que les écologistes racontent beaucoup de choses qui sont totalement infondées. D'où ce cinquième livre, le premier qui s'appelait Les prêcheurs de l'Apocalypse, le second La peur est au-dessus de nos moyens, le troisième que j'ai écrit avec Henri Bourreau, comme cet ouvrage s'appelait Pour en finir avec les histoires d'eau. Le quatrième s'appelait Il croit que la nature est bonne, et celui-là donc s'appelle Les écolos nous mentent. Alors, ce que nous avons voulu montrer, c'est en quoi les croisades, parce que ce terme religieux est effectivement fondé, en quoi les croisades des écologistes sont infondées, de nous faire croire qu'il est nécessaire en France d'économiser de l'eau n'a pas de sens parce que nous rejetons 171 milliards de mètres cubes à la mer chaque année, et que entre ce que nous aurions à notre disposition et ce que nous rejetons et que nous perdons, donc il y a seulement 5 milliards de mètres cubes qui s'évaporent. Alors certes, il y a des problèmes d'eau dans quelques endroits, notamment en amont de Toulouse certains étés, notamment du côté d'Angoulême, mais vous avez bien vu que les écologistes nous empêchent aussi de faire des barrages, ce qui est quand même la meilleure manière d'éviter les crues en hiver et de remettre de l'eau dans la nappe en été. Alors c'est vrai de l'eau, c'est vrai du feu. Nous expliquons que le bio, dont on dit le plus grand bien, est en fait un produit d'appel pour les grandes surfaces, puisque les produits bio sont beaucoup plus chers et il n'est pas démontré qu'ils soient meilleurs. C'est incapable de démontrer qu'ils sont meilleurs pour la santé. Et on voit des gens de milieux très modestes dépenser de l'argent inutile pour acheter ces produits qui sont en général beaucoup plus fragiles, beaucoup plus difficiles à conserver. Et on voit d'ailleurs que l'inspection des fraudes, les seuls produits qu'elle a retirés l'année dernière, c'était des produits bio, parce que c'était des produits qui n'étaient pas sains. Alors, et par ailleurs, sur l'environnement général de la planète, il est clair que les produits bio étant beaucoup moins productifs que les produits qui ne le sont pas, conduirait, si ça se développait, à abattre des forêts pour nourrir les 2 milliards d'hommes nouveaux qui s'annoncent sur notre planète. Donc, tout ça, c'est infondé. Et bien entendu, les gros problèmes des écologistes, c'est en matière d'énergie. Alors, il se trouve que le premier commandement de l'écologie politique, c'est d'être contre le nucléaire. Et cela s'explique historiquement, parce que en fait, le mouvement vert français vient d'une influence des verts allemands, et que les verts allemands, à l'origine, c'était la bande à Baader, des gauchistes dangereux et criminels, ils ont trouvé un nouvel habit et ils ont été financés, c'est de notoriété publique, par l'Union soviétique et par les fabricants lignite, pardon, de l'Allemagne de l'Est à l'époque, et donc ont pris cette position antinucléaire, qui est une position rationnelle, et on voit aujourd'hui ce à quoi cela conduit en Allemagne, puisque ça conduit de fait à ce que l'essentiel de leur énergie électrique, presque la moitié, 48%, soit fabriqué par des centrales à charbon.
Alors on voit que ça a eu une influence en France, que M. Hollande s'était engagé à enfermer 15 centrales nucléaires. En fait, il n'a fermé aucune, mais malheureusement, le président Macron a suivi ses pas et a fermé Fessenheim. Et le 9 janvier de cette année, vous savez, on a failli avoir du blackout. Je pense qu'on l'aurait eu si on n'avait pas eu de confinement, parce qu'il a fait très froid, et on a dû importer de l'électricité tout à fait carbonée d'Allemagne. Parce que quand il fait froid, très froid, c'est une haute pression, il n'y a pas de vent. Et quand il y a eu la neige avant, ce qui était le cas récemment, la neige couvre les panneaux des piles. Donc vous voyez, nous voyons que le mouvement écologique a des combats qui sont tout à fait discutables, et sur l'énergie, et sur l'agriculture, et cela conduit en France à ce que certains produits agricoles sont quasiment incultivables en France. C'est le cas par exemple des haricots verts, mais nous importons du Kenya des haricots verts et nous ne savons pas quel est le montant ou la somme ou la quantité de pesticides qui a été versée sur les cultures pour produire ces haricots verts que nous importons et que nous mangeons.